Eh bien, salut à tous les amis, c'est Jimmy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un compte-rendu vide-grenier. Donc, vide-grenier que j'ai fait aujourd'hui avec un ami. J'étais pas tout seul, j'étais allé faire avec un ami. Donc, Jérémy, si tu regardes la vidéo, je t'ai fait une dédicace hein, parce qu'on s'est croisé et tu m'as dit que tu étais abonné à ma chaîne il n'y a pas longtemps. Puis, on a fait le vide-grenier ensemble et on a trouvé quelques petites choses. Hein. Moi, j'ai trouvé, comme d'habitude, beaucoup de CD. J'ai trouvé un stand en fait. Si vous voulez, qu'il y a un petit peu. J'ai dépensé un certain billet, pas non plus une grosse somme, hein, mais j'en avais pour 30 euros et le gars m'a fait 20 euros de remise, enfin il m'a fait 20 euros le tout, et il y a énormément de BO. Là, je suis d'accord que c'est pas une BO, c'est un film, mais c'est pas grave, je le garde, on verra bien. Un petit peu de rock et tout ça, et vraiment énormément de BO pour ce canton du Vigogné. Je pense que je rentre facilement une vingtaine de BO à peu près, et dont une dizaine, donc ça c'est cool. Dans cette vidéo, on aura également un petit lot que j'ai pas eu pour 2,50. Il y avait des trucs que j'avais encore, il y a des trucs que je vous montrerai pas dans cette vidéo parce que je les ai offerts à ma grand-mère. Il y avait des petites babelutes et conneries ainsi. Et j'ai récupéré, bah, je les ai données à ma grand-mère, ça lui fait plaisir. Hein. J'ai également acheté de la figurine, donc figurine Star Wars, petits jouets quoi, et des figurines un peu plus grandes, du Blu-ray et du DVD. Donc voilà, c'est tous les seuls achats que j'ai fait et des petits goodies. Donc, je pense qu'on va commencer d'abord avec les petites choses un petit peu en rapport avec. Bah, d'abord, avant de commencer, je vais d'abord vous montrer un petit achat que j'ai fait hier à Cash. Hein, j'ai oublié de vous montrer. Parce que si je vous dis, j'ai énormément de vidéos à vous poster d'achat. J'en ai énormément. J'ai acheté pas mal de DVD, de jeux ces temps-ci. Du coup, j'ai fait plusieurs vidéos. Hein, comme ça, vous aurez plusieurs vidéos. Et donc, je tiens à vous informer aussi que jeudi, bah, je ne serai pas là pendant quelques jours, hein. Je ne sais pas si je ferai des lives ou quoi, je ne sais pas, parce que je serai chez mon père, hein. Je m'en vais un petit peu chez mon père, passer un petit peu du temps avec lui, tout simplement, et voilà, donc il n'y aura pas de vidéo à ce moment-là, je suivrai les vidéos comme d'habitude sur le net, hein, mais je ne ferai pas de vidéo, tout simplement. Voilà, le jeu Xbox, j'ai acheté un petit jeu Xbox hier, à cash, donc pour la somme de 4 euros, donc il est en bon état, c'est plutôt cool, hein, donc je l'avais pas. Du coup, là, j'ai récupéré le Grand Theft Auto Vice City. Voilà, donc c'était. Normalement, c'est les éditions un petit peu collector, je pense. Hein, où il y en a deux dans un fourreau. Bah, là, par exemple, c'est la version, voilà, comme ça. Grand Theft Auto Vice City. Voilà, pour la somme de 4 euros, bah, il est complet. En bon état. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Hein, je trouvais le prix relativement correct. Voilà, le seul jeu de cette update, en tout cas. Ensuite, on enchaîne avec les petits jouets. Et les petites choses un petit peu dérivées. On va commencer par, en fait, deux figurines Star Wars. Des petites, hein, qui m'ont coûté 1,50€ les deux. Enfin, c'était 1€ pièce. J'ai dit au vendeur, écoute, c'est ma fin de monnaie, ma fin de poche, ma fin de porte-monnaie. Tu me les laisseras à 1,50€. Et vu que je le connais bien, il me les a laissés à 1,50€. Donc, on avait un petit. Bah, c'est 6 PO, je pense. En fait, 6 PO, il y a quand même une drôle de tête. Hein. Ça fait pas la mise au point, je suis désolé. Mais ouais, ils sont assez petites quand même. Hein. À ma main, vous voyez, ils sont quand même assez petites. Hein. Et on avait également un petit, bah, l'empereur, tout simplement, l'empereur Dark Sidious, hein, je pense, hein, qui est assez classe encore. Bon, c'est vrai que la tête, elle est pas tip-top, quoi, mais en plus, elle tient bien debout, et voilà, avec ses fameux pouvoirs de truc, elle est vraiment classe, je trouve, hein, pour 1,50€ les deux figurines, plutôt sympa. Sur un autre stand, j'ai acheté une figurine un peu plus grande cette fois-ci, bah, qui me fait plaisir de trouver. Hein. D'ailleurs, cette figurine me fait penser à quelque chose. J'ai l'impression que quelqu'un l'a déjà acheté. Cette figurine, elle me parle beaucoup. Hein. Et pour 3 euros, à la base, la personne en voulait 5 euros. Je lui ai demandé si à 3 euros ça lui allait. Et il m'a dit pas de souci, il a accepté directement. Du coup, voilà une figurine voilà, de Dark Vador qui est vraiment assez sympathique. Hein. La figurine, j'ai regardé, elle date de 2005, hein, Lucasfilm 2005. La figurine, je la trouve vraiment très très sympathique. Elle bouge un petit peu, vous voyez. Ça bouge un petit peu, donc ça sera parfait pour décorer un petit peu. Donc la petite figurine, bah, elle est quand même grande. Hein. Elle fait à peu près, je dirais, une 25, 30, je dirais une vingtaine de centimètres à peu près quand même. Hein. Donc voilà, plutôt cool encore de rentrer cette petite figurine voilà, de Dark Vador. Vraiment classe. Ensuite, un petit achat. Pareil au même vendeur, en fait j'avais traîné un petit peu avec mon ami avait vu quelque chose qui l'intéressait, mais au final il l'a pas pris. Et moi j'ai vu ceci en fait, donc voilà je me suis mis dans l'idée de me faire une petite collection de mugs. Hein. D'ailleurs j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, je vais vous montrer déjà en vidéo, hein. Mais j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, voilà, de Kellogg's. Hein. Les trucs ainsi, Kellogg's. Hein. Je me fais maintenant une petite collection de mugs. Hein. Je prends vraiment des motifs qui m'intéressent. Et là j'ai trouvé, on va dire, un coffret cadeau Jeffbox Star Wars. Hein. Donc avec un mug dedans. Bon, je vais montrer le mug à l'intérieur en évitant de pas le casser. Et je montrerai le reste du contenu après. Alors, comment ça s'enlève ça? Voilà. Plus c'est
presque neuf, hein. Donc un chouette mug, hein, en tout cas, de Star Wars, avec une encyclopédie apparemment bah, des Stormtroopers, hein, de ce qu'il y a mis dedans, l'encyclopédie des Stormtroopers, hein, voilà, un petit mug Star Wars. Très sympathique en tout cas, du coup, bah, on le mettra avec les autres mugs, hein, je mettrai un petit étalage de mugs, hein, voilà. Et dedans, ce n'était pas tout, il y avait également d'autres choses, déjà, rien que le mug, pour 3 euros, j'étais bien content. Dedans, on avait un petit pins, je ne sais quoi, Star Wars, voilà, un petit pins Star Wars, un petit goodies. Et à l'intérieur, on avait également un t-shirt, mais malheureusement, le t-shirt, bah, je ne serais pas le mettre, hein, parce que c'est pas ma taille, hein. Mais je vais quand même le garder, mine de rien. Oh putain, dessus, il y a des cheveux, c'est dégueulasse, quoi, regardez ça. Il y a des cheveux dessus, c'est écœurant. Bah, ça va, il sort bon, c'est le principal. On va regarder un peu le t-shirt. Bon, c'est du XL, hein. Je ne serais pas mettre ce genre de t-shirt, mais mon frère, peut-être qu'il serait le mettre. Faudrait que je lui demande. Quoique, faudrait que j'essaye quand même tout de même. Hein. Et pas l'abîmer. Voilà, un petit t-shirt à l'intérieur Star Wars. Plutôt cool. Hein. Mais c'est un peu dommage que je ne serais pas le mettre. Hein, parce que c'est le genre de t-shirt que bah, j'aime bien avoir en général. Hein. Bon, voilà, très très classe en tout cas le t-shirt. Hein. Donc voilà, donc 3 euros, bah, le petit lot. Fait plutôt plaisir. Voilà. Ensuite, les petites. Bon, c'était une petite boîte ainsi avec un petit truc derrière. Donc voilà, 3 euros le petit box. Plutôt sympa. Ensuite, on va enchaîner avec le lot qui m'a coûté 2,50. Hein, avec quelques petits DVD dedans, quelques CD. Bon, je vous dis, il n'y a pas tout dedans. Le reste, j'ai donné à ma grand-mère, hein, tout simplement, parce que ben, y a des trucs qui l'intéressaient, comme des cassettes vidéo, des CD aussi. Et des trucs, il y avait aussi un truc de sécurité de voiture, là, je ne sais pas quoi. Donc, dans le lot, on avait. Non, c'était ça, c'était mon achat de base que j'allais prendre. Il m'avait fait à 50 centimes, voilà, un amour d'hiver. Et il m'a dit, pour 2 euros supplémentaires, prenez le reste. Avec tout ce qu'il y avait, j'ai pris le reste. Hein. Du coup, bah, les autres, ça partira sûrement à la vente. Ou alors des trucs que je garderai sûrement, que je garderai, on verra bien. Donc, on avait Le Amour d'hiver, un petit film qui m'avait beaucoup intrigué. Avec Colin Farrell, un acteur que j'aime beaucoup, Colin Farrell. Hein. Et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je vais lire aussi une autre, celui-ci. Écrit et réalisé par Akiva Goldsman, récompensé aux Oscars, Un Amour d'hiver raconte l'histoire intemporelle d'une romance fantastique et de destins qui se croisent. Dans un New York mythique au début du XXe siècle, Peter Lake, Colin Farrell, est un cambrioleur qui rencontre une jeune femme mourante du nom de Beverly Penn, Jessica Brown Findlay. Tombant profondément amoureux d'elle, Peter n'a pas d'autre choix que de trouver un moyen d'arrêter le temps afin de lui sauver la vie. Voilà, en tout cas, ça a l'air assez sympa. On verra bien. Ensuite, bah, dans le lot, bah, là, c'est pas choisi. Hein, j'ai pris, parce que là, c'était un petit lot. Il y en a qui vont me dire, ah, Jimmy, t'achètes vraiment de la merde. Bah, c'est plus pour débarrasser la personne. Et après, bon, il y avait des trucs dedans qui étaient plutôt cool. Encore une fois, il y avait des CD que j'avais pas vu. Donc, on avait, c'est beaucoup de films français. Un charmant garçon. Bah, je connais pas du tout le film là. Je sais pas de quoi ça parle. Aucune idée. Ensuite, Un vrai bonheur. Le film, voilà, Didier Caron. Pareil, bah, je connais pas non plus. Voilà. Le Dernier Innocent avec Ed Harris, en même temps que j'aime assez bien, donc peut-être... Bon, ça peut être sympa, un petit drame policier, voilà. Le Dernier Innocent, Le Ventre de Juliette, bon voilà. On a également La Maison du Bonheur, un petit film avec Danny Boone, peut-être que je le regarderai, celui-là on verra bien. L'Associé, sous Blister, bon, c'est pas très intéressant, même c'est pas le genre de film que je regarde. La Mort du Chinois, pareil, ça je ne connais pas du tout non plus. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, Jimmy, pourquoi t'as pris ça? Ben, il y avait des trucs intéressants, il hein. Y a des trucs que j'ai donné à ma grand-mère. Hein. Et dedans, il y avait également des CD. Bon, il y a des CD que ça partira à cash, perso, ce n'est pas le genre de truc que je vais garder. Donc déjà, un CD que je vais garder, que je n'avais pas vu, un petit truc de Michael Jackson, voilà, Black or White, voilà, donc j'écouterai ça tout à l'heure, voir un peu ce que ça vaut. Voilà. Ensuite, ben ça, pareil, je ne sais pas si je vais garder... Club 7, Club 7, Club Party, bah, à voir, je sais pas. Bon, après, il était d'une fois 20e siècle. Ça, je l'écouterai sûrement un petit peu. Ça peut être de la musique détente. Bon, pourquoi pas, on testera. Voilà. Ensuite, ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est disque de nettoyage et d'entretien pour la tête de lecture laser. Bon, ça, je pense pas garder. Orchestre des jeunes, concert de gala. On verra bien. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, t'achètes de la merde. Bah, c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est pas terrible. Hein. Moi j'aime bien acheter des fois des lots surprises, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà, Rêve, Orange, Liane Folie, bon, peut-être que ce soit pour mon père, faut aussi. On verra bien s'il le veut ou pas. Après s'il le veut, je lui donnerai. Hein. Italia, volume 5.
100 chansons françaises de légende, volume 2. Bon, je vous dis, il n'y a pas que ça. Après, hein, j'ai des DVD et des BO après à vous présenter. Michel Legrand, Paris Jazz, piano. Bon, peut-être que ce sera pour mon père, celui-ci. 100 chansons françaises de légende, pareil, ça sera peut-être pour mon père. David Charvet, je te dédie. Voilà. Herbert Léonard, bah ça sera pour mon père sûrement aussi. Et elle est une fois 20e ciel. Des choses non plus folichonnes, mais il y a des trucs assez sympas. Donc on verra bien. Des trucs, y a aussi des cassettes vidéo, Bigard et un autre truc de Frank Michael que j'ai donné à ma grand-mère. Il y avait des trucs aussi de la route, je pense que ça foutait dedans un truc de la route avec un truc de fluo turc fluorescent et un panneau, des conneries, il y avait ces petites choses. Ensuite, on enchaîne avec le Blu-ray, je finirai par les BO à la fin. Le Blu-ray, ben, mon ami Sagat me l'avait prêté, et là, ben, pour le coup, ben, d'ailleurs, demain, Sagat, si vous regardez la vidéo, demain, je vais rapporter à la pharmacie, comme tu m'as dit, les DVD. Non, j'y vais demain, parce que sinon, je ne peux pas aller sinon. Donc, demain, normalement, je te rapporte à la pharmacie, ben, tes fameux Blu-ray. Donc, là, pour le coup, ben, je me suis récupéré Tonnerre sous les tropiques, hein, Sagat m'en avait beaucoup parlé, ça, je ne l'avais pas encore vu. Et donc voilà, je le récupère en Blu-ray pour la somme de 4 euros. Hein. Là, qui vont dire c'est cher pour du vide-grenier, mais malheureusement, ben, les prix, c'est comme ça. Les Blu-ray par chez moi, c'est assez hard à trouver en vide-grenier. Hein, et à bon prix, surtout, du coup, en général, ben, ça ne me dérange pas de mettre le prix. Donc voilà, le petit Tonnerre sous les tropiques. Voilà, donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite, on enchaîne avec des DVD. Deux DVD qui m'ont coûté pour la somme de 50 centimes avec un, je suis assez content d'avoir trouvé, que je connaissais pas. On va commencer par ce film-là qui m'a beaucoup intrigué. Il s'agit de Shriek. Voilà, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, ça a l'air, j'avais lu le sino, ça a l'air sympa. Donc c'est une personne, en fait, qui a pas mal de DVD sur son stand. Il y a vraiment de bonnes petites choses, hein. Et il y avait j'ai pris deux films parce que j'étais avec un ami, j'avais pas trop envie, en fait, de traîner, de prendre trop mon temps. Et puis qu'il y avait fait, en plus, je voulais me dépêcher assez vite, hein. Donc voilà, le petit Shriek. Voilà, je vais vous lire le sino de celui-ci. Alors, il peut traverser les murs, les plafonds, les planchers. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Dans chaque recoin peut se dissimuler un passage mortel. Après un silence de 50 années, le hurleur a été appelé de nouveau. Ils sont cinq sur son chemin destructeur. Le sixième sera son maître. Lorsque vous entendez le son de sa voix, votre dernière heure est venue. Bon, voilà, un petit film qui a l'air plutôt correct. On verra bien. Ensuite, un autre film qui m'a beaucoup intrigué, il faudra que je nettoie, mais c'est un film avec De Vito. D'ailleurs, De Vito, c'est un acteur mais vraiment que bah, j'adore. De Vito, tout simplement, c'est mon acteur préféré. En tout cas, c'est un de mes acteurs préférés, hein, De Vito. Et là, bah, le film que j'ai trouvé, bah, je ne connais pas du tout la jaquette, enfin, c'est la tranche qui m'a beaucoup intrigué, en fait. Et après, bah, que j'ai vu le film, je ne connais pas ça. Donc, il s'agit de Jack, voilà, avec Danny De Vito. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce film. Hein. Donc, je vais lire le synopsis de celui-ci. Alors, du rire aux larmes, la fabuleuse histoire d'un père, la tendresse est entièrement dévouée au bonheur de ses enfants. Depuis la mort de sa femme, John Leary, éternel adolescent, élève tout seul ses deux enfants, Dylan et Jack, 3 et 12 ans. Tous trois s'installent dans une petite ville de Californie pour faire oublier à ses enfants la tragique disparition de leur mère. John occupe une grande partie de son temps à les amuser et devient clown fétiche des enfants du quartier. Ce qui ne va pas toujours plaire à ses ce qui ne va pas toujours ce qui ne plaît pas toujours à ses voisins, mais sa bonne volonté ne peut empêcher le passé de ressurgir et de venir troubler le bonheur de la quiétude familiale. D'ailleurs, il y a un acteur derrière, le petit gosse, j'ai l'impression qu'il a joué dans le flic de maternelle, je pense qu'il joue le petit gosse là, qui dit les filles ils ont un vagin et les garçons ils ont des pénis. Bah, c'est dans le flic de maternelle, je pense que c'est lui, hein, je suis pas sûr, hein, mais on dirait en tout cas. Voilà, donc ça, 50 centimes, c'est plutôt cool. Bon petit film. Ensuite, du DVD, allez, 1 euro, un petit film avec Samuel Jackson et Ben Affleck que j'ai pris. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, un petit film avec Samuel Jackson et Ben Affleck, des acteurs que j'aime assez bien. Du coup, bah, je ne vois pas non plus des films de ces acteurs-là, mais c'est des acteurs que j'aime assez bien. Donc, Dérapage Incontrôle. Donc, on verra bien ce que ça vaut. Donc, il y aura sûrement des films que je vais ramener chez mon père, hein, pour regarder chez mon père, pour m'occuper un petit peu, parce que, ouais, chez mon père adore les films aussi, donc ce sera l'occasion de regarder avec lui un petit peu, hein. Donc, il y a pas mal de films que je vais prendre, peut-être des films que j'ai pas encore vus. Pas non plus de prendre trop de films, parce que sinon, bah, trop de films, ça va être chaud, quoi. Mais là, voilà, on va prendre quelques-uns pour regarder. Donc, voilà, Dérapage Incontrôle, donc à voir, on verra bien ce que ça vaut, je sais pas trop. Voilà. Ensuite, deux films, je suis un peu deck parce qu'en fait j'ai acheté un revendeur que j'aime bien, que je connais, et je suis un peu deck parce qu'un peu plus loin, bah, il y avait le même film pour 1 euro, et là je l'ai payé 2,50.
Donc, ça fait un peu chier quand même. Hein. J'aurais peut-être voulu le payer moins cher. Hein. Donc, il s'agit du Hellraiser Inferno. Voilà, un film que je n'avais pas d'Hellraiser. Hein. J'essaie un petit peu de me refaire la filmo Hellraiser. Hein. Et pourquoi pas un jour me les remater. Enfin, avoir le courage de les remater. Parce que c'est des films, franchement, qui me font bien flipper. Hein. Des films assez gore. D'ailleurs, la scène là, elle est tellement dégueulasse. Là, avec le gars qui se fait arracher la peau. C'est tellement immonde quand même. Donc, on verra bien. Bon voilà, le petit Hellraiser Inferno, donc c'était 2,50 le film, ça fait quand même cher, hein, mais c'est un vendeur. Ensuite, un autre film, je possède la BO, mais j'avais pas le film, hein, avec Keanu Reeves et Dolph Lundgren, donc il s'agit de Johnny Mnemonic, voilà, Mnemonic, donc à voir ce que ça peut valoir, je sais pas trop. Alors, 21e siècle, Johnny Mnemonic, Keanu Reeves. Un courrier à tech est en fuite avec des données volées qui ont été implantées dans son cerveau. À l'aide du microprocesseur, une quantité trop élevée de données pourrait le détruire, mais un autre danger le menace. Le patron d'un syndicat du crime veut s'emparer des précieuses données que Johnny porte sur lui, poursuivi par un chasseur de primes, Dolph Lundgren, et une armée de tueurs professionnels, et tout en sachant qu'une surcharge de données pourrait le détruire. Johnny doit courir pour rester en vie. Voilà, en tout cas, ça a l'air sympa, on verra bien. Ensuite, on enchaîne avec les trois derniers DVD, et après on terminera avec les BO et un petit peu les CD en tout genre. Hein. Donc avec un petit film qui m'intriguait, Warner Bros. Family, donc je me suis dit pourquoi pas, Prince Noir, voilà, que je ne possédais pas. Petit film de mon enfant, je pense, ou que j'avais déjà vu, que je n'avais pas regardé, je ne sais plus. Voilà, Prince Noir, ben voilà, on verra bien ce que vaut ce film-là, voilà, je l'ai payé pour 1 euro celui-ci. Ensuite, on avait un autre film avec... Wesley Snipes, Patrick Swayze et John Leguizamo, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, une petite comédie, ça aurait été des comédies, j'en ai beaucoup, du coup, on verra bien. Extravagance, Julie Moïna, enfin, je sais pas comment ça se dit. Je vous montre la jaquette, hein, voilà, comme ça, vous voyez. Donc, je vais lire le synopsis. Une comédie hilarante avec Wesley Snipes, Patrick Swayze et John Leguizamo, parti de New York pour participer au grand concours de beauté d'Hollywood, trois drag queens se retrouvent en panne dans une petite ville perdue au beau milieu des États-Unis. Bloquées à Snyderville, elles tentent de tourner la situation à leur avantage. Elles bouleversent la vie jadis morne des habitants avec leur look tagueur et glamour. Les trois amies enflamment la ville le temps d'un week-end avec un show terriblement drôle, coloré et ingénu. Donc voilà, on verra bien. On verra ben, ce que ça vaut. Hein. Donc on verra. Un petit extravagance. Dernier film de cette, en tout cas de cette vidéo, après on enchaînera avec les CD. Film que je ne possédais pas, que j'avais vu une fois à cash, à moins que, faudra quand même que je vérifie si je l'ai ou pas, mais je pense pas l'avoir, hein. Je pense avoir le Dark Crystal, mais celui-ci je ne l'avais pas. Donc un film avec David Bowie, Jennifer Connelly, que j'ai eu pour 2 euros. Donc, pourquoi pas, il s'agit de Labyrinthe. Voilà, un petit film que j'avais déjà vu auparavant, mais que j'avais jamais pris. Là, pour la somme de 2 euros, ben, je l'ai pris. Donc voilà, le petit, donc voilà, la jeune Jennifer Connelly pénètre dans le royaume des gobelins et de leur puissant roi Jarrett. En vue de retrouver son petit frère qui a été kidnappé, elle rencontre en chemin toutes sortes de personnages étranges qui l'escortent dans sa recherche, dont un nain très aimable et un ver qui boit du thé. Après un labyrinthe infernal et interminable et un interminable escalier en colimaçon, elle arrive finalement auprès du roi Jarrett. Voilà, on verra bien ce que ça vaut. D'ailleurs, je suis en train de me demander si ça n'a pas eu plusieurs des labyrinthes. Enfin, je sais pas pourquoi cette jaquette. Hein, d'habitude, c'est pas cette jaquette-là. Enfin, je sais pas. Je l'avais jamais vu dans cette jaquette. Du coup, on verra bien. Bon, c'est une spéciale édition en plus. Enfin, je regarde parce que le DVD derrière. Enfin, je sais pas. Maintenant, j'espère que c'est le bon. Parce que devant, bah, c'est comme ça. Le CD est comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est le bon. Enfin, je vois pas un bébé en tout cas sur la jaquette. Du coup, on verra bien. Maintenant, les amis, on va terminer avec tout ce qui est BO, avec une belle paire de BO en tout cas. À un stand, il y avait énormément de CD, mais il y en avait, je pense, allez, pour pas me mentir, il devait avoir facilement 200-300 CD sur son stand et les prix vraiment très très démocratiques. Hein. En gros, vous en preniez 3, c'était 5 euros, donc voilà. Il y avait des BO à 1 euro, plein de BO, plein de CD à 1 euro, et des BO à 50 centimes. Au final, j'en avais au final pour un moment un total de 30 euros, et la personne me l'a fait à 20 euros le tout, donc voilà, une super remise. Hein. Je pensais pas que j'allais avoir autant de remises. Hein. On va d'abord commencer par des BO que j'ai acheté à des vendeurs séparés, donc à 2 euros pièce la BO. Donc on avait la bande originale du film L'Origine du Monde avec Jerome Enrico, voilà, que je ben, connais pas. Moi, je peux pas vous en dire, je connais pas, voilà, cette BO. Ensuite on avait Le Château des Oliviers, bande originale de la série télévisée, pareil, mais je ne l'avais pas. Voilà, ça rentre dans la petite collection BO.
Et la BO aussi de Ocean 12, pareil, que je n'avais pas, donc ça c'est cool de la rentrer parce que je ne la possédais pas. Donc voilà, pour les BO, en tout cas pour ces BO-là. Ensuite, on va passer au lot. Donc voilà, le lot, je vais vous dire, hein, il y a pas mal de choses dedans. Hein. Il y a pas mal de choses. Donc on a un Disney, il y a un. Enfin, il y en a. Mais il y a un DVD, je pensais que c'était en fait un film, un BO, mais non, c'est un DVD. Donc ouais, je comptais que maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc 22, presque 22 BO à peu près. Enfin, je dirais 20, 20, 19 BO. Donc ça fait quand même pas mal de BO rentrés. Hein. On va commencer par le truc que je pensais au début que c'était une BO, mais en fait non, c'est un film. Du coup, malheureusement, je ne le garderai pas. Donc voilà, il s'agit de Octopussy, voilà. C'est un film, apparemment, un film vidéo. Ben, je ne le garderai pas, celui-là, parce que ça ne m'intéresse pas. Là, c'est des trucs un peu particuliers. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient, ces trucs-là, hein, mais bon. Ça, je ne le garderai pas. Ensuite, donc ça revient à peu près à du 1 euro, et encore même moins d'un euro la BO. Au lieu des 2 euros annoncés. Donc la BO Disney que j'ai trouvée aujourd'hui, une BO que je n'avais pas, donc ça c'est cool. Il s'agit de la BO de Frères des Ours, voilà, qu'on voit pas souvent celle-ci. Bah, c'est la première fois que je la vois tout simplement. Et pour 1 euro, enfin moins d'un euro, bah, ça se prend. Hein, voilà, tout simplement Frères des Ours. D'ailleurs pour la petite anecdote, c'est quelqu'un qui me l'a trouvé dans un bac, il a entendu que je cherchais ça. Et il m'a dit, tiens monsieur, bah, j'ai trouvé ça justement pour vous. Ah, du coup, bah, j'ai pris, il n'y a pas de souci, j'ai pris direct. Hein, il m'a dit, ah ouais, j'étais super gentil, c'est gentil de votre part. Hein. Du coup, voilà, il me l'a pris, ça c'est cool. Ensuite, on avait Reine d'un jour, voilà, donc Reine d'un jour, bon, la petite BO avec, ouais, bon, je sais pas, je connais pas cette BO, donc c'était moins d'un euro. Ensuite, cette BO, j'ai trop traîné à la prendre et j'ai bien fait d'attendre, j'ai trouvé pour moins d'un bal, et bien, ça fait plaisir. Hein. Blue Brother, que je pense pas avoir, hein, donc il faut quand même que je vérifie, mais je pense pas l'avoir, cette BO de Blue Brother. Hein. Ensuite, on avait, ça je connais pas du tout, mais ça a l'air assez sympa, donc ça peut être sympa, à mon avis, je sais pas. Auguste Rush, pareil, bah cette BO je connaissais pas du tout non plus. Donc là on verra, on écoutera, on verra bien ce que ça vaut, le petit Auguste Rush. Ensuite, BO pareil que je n'avais pas, le Disturbia, pareil, voilà, donc pareil, je ne l'avais pas non plus. Donc, tout le lot à 20 euros, bah, c'est cool. Ça, bah excuse-moi en fait, Raph, mais ce qui s'est passé, pourquoi j'ai tardé à t'envoyer ton colis? Tout simplement, j'avais perdu la BO de Rainman, en fait. Je sais pas où j'ai mis. Pas moyen de savoir où je l'ai mis, j'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. Et bah du coup j'en ai racheté un pour toi, hein, comme ça, bah, je te l'enverrai sous peu, t'inquiète pas. Le mois prochain j'essaierai de te l'envoyer. Donc la petite BO de Rain Man, hein. Ça sera pour Raph parce que je lui ai promis déjà depuis pas mal de temps. Et en fait, excuse-moi, mais j'avais perdu en fait la BO, je ne sais pas où je l'ai mis, pas moyen de savoir où elle était. Bah du coup voilà, je l'ai trouvée pour toi. Donc, ça va te faire plaisir à mon avis quand je te l'enverrai. Voilà, petite BO de Rain Man, voilà. Ensuite, une autre BO, pareil, ça c'est pas courant à trouver du tout. Je suis bien content de l'avoir rentré en tout cas. J'ai adoré le film en tout cas, et là, bah, la trouver, j'étais vraiment heureux. Donc, Scooby-Doo, la BO, donc ça je suis vraiment content de l'avoir. Hein. Voilà, petite BO de Scooby-Doo, très sympa. Ensuite, ça c'est pareil, c'était dans les trucs à 50 centimes, mais ouais, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est en direct. Hein. La personne avait mis dans les bacs à 50 centimes. Moi, je pensais que ce serait vraiment en état abîmé, et sinon, le CD est nickel. Donc, voilà la petite BO du Sauver Willy numéro 2. Voilà, donc ça c'est bien sympa également de la rentrée, la petite BO de Sauver Willy numéro 2. On ne la voit vraiment pas souvent du tout, celle-ci, c'est la première fois que je la vois pour vous dire. Hein. Et pour à peine, enfin, moins d'un euro, bah, ça se prend, tout simplement. Hein. Ensuite, on avait, ça je ne sais plus si je l'ai, il faudra que je vérifie. La soundtrack de Mission Impossible numéro 2. Voilà, il faudra que je me mate les Missions Impossibles. Hein, parce que j'avais été voir le dernier Mission Impossible que j'avais beaucoup aimé. J'avais été le voir avec une amie. J'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, le Mission Impossible 2, il faudra que je vérifie si je l'ai ou pas. Ensuite, le Dirty Dancing, ça je sais plus si je l'ai, il faudra que je regarde, mais en tout cas je l'ai pas dans cette édition. Je l'ai pas dans cette édition, du coup à voir. Voilà, petite Dirty Dancing. Ça ce sera pas pour moi, mais ce sera cadeau pour une amie. La BO de Twilight, voilà, elle cherchait les Twilight, du coup bah, je lui ai dit, bah, écoute, la prochaine fois que j'en trouve pour toi, bah, je te la donne, hein, tout simplement. Du coup, bah, voilà, je l'ai trouvé pour elle, ça va lui faire plaisir. Hein. D'ailleurs, je lui ai déjà envoyé le petit message, donc dédicace, tu regardes la vidéo, bah, dédicace à toi. Hein. Ce sera pour toi, ça c'est cadeau. Voilà. Ensuite, ça pareil, je connaissais pas du tout cette BO. Je connaissais même pas le film tout court. Hein. Donc, il s'agit de The Island of the Doctor Moreau. Voilà, je connaissais pas du tout. Si vous connaissez, bah, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Hein. Donc, derrière, en fait, ça a une belle image encore derrière. Hein. Donc, à voir, on verra bien. Ensuite, ça, c'est pas de la BO, je vous montrerai peut-être un peu plus tard, c'est autre chose.
On a également l'ABO du... Bah, je pense que c'est le parrain, ça. Le parrain, je ne l'avais pas. Donc l'ABO du parrain, ça c'est cool de le rentrer également. Un super, super BO en tout cas. Voilà, l'ABO du parrain. On est très content de l'avoir également. Ensuite, ça, je ne sais plus si c'est... Je ne sais plus lequel tu voulais m'offrir en fait en échange, Pierre. Bah, c'est pas grave, hein. Tu peux me l'envoyer quand même, c'est pas grave. Hein. Je t'enverrai quand même ton watchdog, hein, il n'y a pas de souci. Mais parce que dedans il y avait quand même une vinyle ou quoi, bah à rigueur si t'as une autre BO pourquoi pas, mais là en fait je ne sais pas si c'était celui-là ou un autre que tu devais m'envoyer. Tu me diras dans les commentaires, hein, où on se parlera sur Skype. Voilà, Matrix Reloaded, hein. Voilà la BO avec le disque One et le disque 2. Et je pense que c'était du 9, hein, qu'il m'avait acheté, donc au pire tu peux toujours me l'envoyer. Je garderai le 9 évidemment. Voilà, le Matrix Reloaded. Ensuite, ça pareil, je connaissais pas un film avec Nicolas Cage, qui est assez jeune, Nicolas Cage là-dessus. Un film que je connaissais pas, David Lynch, Wild at Heart. Je connaissais pas du tout, voilà, donc très content aussi de l'avoir, hein, ce sera l'occasion d'écouter, voir un peu ce que ça vaut. Ensuite, bah, ça je vous montrerai après, ça aussi, parce que c'est pas des BO. Ensuite, on avait le Dirty Dancing numéro 2, bah, qu'il faut aussi que je regarde si j'ai ou pas, parce que j'ai un gros doute. Donc à voir. Ça pareil, je ne sais plus si je l'ai, pareil, il faudra aussi que je vois si je l'ai ou pas, j'ai eu un gros doute aussi en l'achetant. Donc la Chambre des Secrets Harry Potter, donc on verra bien bah, si je l'ai ou pas, donc ce sera à voir tout à l'heure. Et en tout cas, la dernière BO aussi, je suis super content de la retrouver, on ne la voit pas souvent celle-ci, et voilà, j'étais vraiment heureux de la trouver. Voilà, il s'agit de Resident Evil Apocalypse, hein. Voilà, la BO que je rentre, voilà, donc super cool de l'avoir cette BO, je ne l'avais pas, et voilà, pour moins d'un euro, bah, ça se prend. Et enfin, les trois derniers disques, parce que c'est pas des BO, c'est plus autre chose, hein. Donc on avait Michel Sardou, voilà, parce que j'aime bien Michel Sardou tout simplement. Enfin, moi j'avais pu acheter du Michel Sardou. Hein. Donc voilà, Michel Sardou, la musique. On avait également Rolling Stone, Striped, pareil, voilà, je ne l'avais pas non plus, donc ça c'est cool de le rentrer également. Et enfin, le best-of Rolling Stone, Jump Back, ceci j'ai un doute si je l'ai, il faudrait quand même que je vérifie. Voilà, Rolling Stone, Jump Back, voilà, également, pour moins d'un euro. Donc voilà les amis, ça conclut là pour la vidéo, ben, compte rendu vite grenier hein, les amis. En tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, je vous dis, ici je vais essayer de poster un maximum de vidéos. Donc celle-ci sera postée aujourd'hui, dimanche, je posterai un peu plus tard ou je vais faire le plot tout à l'heure, on verra. Mais je vais essayer de poster quelques vidéos avant de partir chez mon père, hein, parce qu'après il y aura un moment sans vidéo, parce que je vais être parti chez mon père pendant plusieurs jours, et après je vais aller chez ma meilleure amie un petit peu. Je vais aller un petit peu chez elle, du coup ben, c'est pour ça que... Ben, qu'il n'y aura pas beaucoup de... Il y aura peut-être pas beaucoup de vidéos ces temps-ci, hein, parce que je serai un petit peu en séjour, hein, un petit peu chez mon père pour un petit passer un peu de temps avec lui. Du coup, voilà les amis, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Salut à tous les amis.